Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et il y a plus de beaucoup de nouvelles vidéos sur Clash Royale. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo encore une fois sur ce compte. Donc là, les trois prochaines vidéos vont être sur ce compte. J'espère que vous allez bien déjà. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo encore une fois, du coup, comme je l'ai dit sur le compte là. Ou le temps de jouer PC. On a changé de deck. On prend un petit géant double prince. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Car beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc vraiment, abonnez-vous. Et merci à ceux qui le feront. Et puis on va essayer quand même d'aller chercher ce petit défi classique, ça serait quand même fort sympathique. Et puis on part tout sur cette première game contre Gero. Allez, let's go. Ok, alors. Ok, bon. Vous avez vu, j'ai pris triple sort. J'ai enlevé le mineur, parce que vas-y. Mineur, ça ne tente pas trop, j'avoue. Ouais, c'est un peu chiant la cabane là, j'avoue. Juste on était un phénix, ouais, voilà. Ouais, okay. Ok. Pas forcément envie de prendre 700 millions de dommages non plus. Si le phénix tourne, en vrai, je peux. Oh putain, j'ai failli faire une dinguerie là. Voilà, il y en a un peu de partout. Ok, pire zappé vers les gars. Dans la BDF, hein. Bon, je suis prêt s'il m'énerve SQL, sinon, bah écoute, de toute façon, je peux pas trop défendre. Bon, début de game un peu catastrophique, mais c'est rattrapable, c'est pas trop grave. On a le zap, on a pas mal de choses. Je dois devoir ouvrir sa cabane en fonction, je mettrai le géant de ce côté-là, parce que c'est relou. Ok, pas un géant ici. Bon, on a le phénix, il est énorme squelette, on se rappelle. Bébé dragon, gargouille. Okay. Mettre le phénix. Et on va mettre le Dark Prince. Hein. On va pas si on peut mettre le Dark Prince parce qu'on a le zap. Ok, là j'ai des bonnes flèches normalement. Ok. Le phoenix qui carry pas mal là. Oh là là. Parfait. Ah gros, la gargouille, aïe. Je sais pas comment je passe mon géant, j'avoue. Je pense qu'il faut que je repasse son map et mettre un gros push. J'ai BDF ça déjà. Ça me casse les couilles la cabane. Hein. Je vais pas vous le cacher. Ça va. Hop. Ouais, je suis obligé de défendre, non? Ouais, je suis obligé de défendre. J'étais pas sûr, mais ouais. Je sais pas s'il joue bien, c'est moi qui joue mal, mais. Ah, c'est terrible ça. Ouais. Là c'est plus des erreurs de ma part qui font que je perds là. Oh bah. Ou ma première défaite, c'est pas grave, écoutez. C'est catastrophique cette game, ce qui vient de se passer, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est pas grave, on lance direct. Vous n'avez rien vu. Enfin. Bon. La gueule de la game était vraiment terrible. Hein. Ouais. Et puis on se retrouve dès que ça commence. Ok, bah. Hop. Allez, c'est parti. Ok. Allez, petit géant dans le fond du terrain. Ok. On va partir sur le petit Dark Prince ici. Je pense que je vais mettre un phoenix au pont. Ouais.
Ok, c'est pas fameux pour l'instant. Ok, c'est Dark Prince qui prend pas le focus. Ok, mais une boule de feu panique. On va Prince directement au pont. Parce que bah il n'a plus d'élixir, hein, on rappelle. Donc s'il a plus d'élixir, on push. Et voilà, on va aller connecter à Prince. Déjà, c'est pas trop mal. Il y a une mauvaise Valkyrie. On va partir Dark Prince au map dès que le Prince meurt. Ok, parfait. Ok, parfait. On est plutôt, plutôt pas mal là. Ok. Non. Merde. Ah, alors je sais pas. Alors j'ai testé un truc, c'est que la molette, je savais pas, mais ça me fait merde. Bon, bah du coup j'ai un géant pont. Ça sert pas à grand chose. J'ai pas l'accompagné. J'ai pas l'accompagné. On va laisser la T2 le tuer. Ça fait 5 pour 5, donc why not en soi. Est-ce que je peux peut-être essayer de tout toucher là? Non. Ok. Bon, on va partir Phoenix on map. Ah, tu sais quoi, je pense que je vais essayer un deck cycle pour la prochaine vidéo. Voir ce que ça donne un deck cycle, parce que pour l'instant c'est le deck assez bidon, ce que je teste, du coup ça va à peu près. Ok, là on va avoir peut-être des bonnes flèches chasse à mettre là. Et au-dessus quoi, ok, fantôme trop tard normalement. Et à partir j'ai un fond de map, si on a une boule de feu pour alterner la tour de droite, donc c'est pas trop dramatique. Ça gratte bien hein, cette merde. Ok, on va aller BDF ça évidemment. Et je vais mettre ça là d'abord pour tuer ça, ça me paraît pas trop mal. On va peut-être perdre la tour, mais c'est pas trop grave je trouve. On la perd même pas en plus, ça c'est beau. Et là on peut remettre un géant évidemment. Ah ouais, et là dès que le géant ça part hein. Hop, on va mettre une petite BDF ici en plus, ok, en plus on tue l'artificiaire, c'est parfait. On peut limite tenter un peu shot du Gwen Sabakan, mais dans tous les cas, c'est une victoire confirmée. On l'a défoncé les gars, on l'a fumé, on l'a foudroyé, on l'a brisé, on l'a... Ouais. On va s'arrêter là, hein, c'est bon. Allez, c'est parti, prochaine game. Ok. Allez, c'est parti directement contre ce monsieur, donc on ne peut pas prendre son nom pour des raisons de type évidentes. On va partir à un jeu off map. Oula. Hop. Ok, bon, ça va être une game délicate, ça. Ok. Alors, attendez, comment que je peux faire? On peut avoir un Dark Prince. Ouais, one. Bûche aussi. Ouais. Ça, je reconnais, c'est la sauce, ça. Rigole, rigole, rigole. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, le Prince sort au pont, donc c'est pas très grave. Vraiment, les gars, le Zappy, oh, je vais galérer de ouf pour le défendre. En plus, il va me faire chier, parce que moi, ouais, pour passer, ça va être relou. Ok, un point géant encore. Bon, on a les flèches cette fois. Bon, j'ai peur qu'il perde sa piste same line. À ce moment-là, c'est vraiment casse-couille. Ok. Évidemment. Ouais. Je vais mettre un Dark Prince, je pense. Et je vais zap. Faut juste que j'attende le bon timing. Enfin, maintenant, c'est pas trop mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça touche pas le géant, ça c'est beau. Ok, mettre des bonnes flèches ici, ça. Ok, parfait. Normalement, le phoenix qui va fumer le Zappy, ça c'est pas trop mal. Ok, pour l'instant, on se débrouille pas trop mal, je trouve. Pourtant, c'est pas forcément très facile. Mais bon. Alors. Ok. Je commence à prendre l'habitude là, je commence à me sentir de plus en plus à l'aise. Ok, la bûche en carton, c'est pas grave. On a le Dark Prince ici. Ok, on met ça là. On a un deuxième géant là de toute façon qui va arriver. Ok, parfait. Deuxième géant, le premier géant était ça moi là. Ouais. Oh, dose. Je suis prêt pour le zap. Ouais, hop, instant. Oh, nice, le timing parfait.
Ok, le phoenix qui va spawn, ça c'est pas mal. On va mettre la pression opposée. On va mettre le dark pince opposé. Voilà, il met une Tesla, mais il n'a plus d'élixir. Et le petit phoenix qui va éterner la tour. On va aller prendre cette win. Zabi, c'est pas facile. Bah, ça va que lui, il avait un deck un peu what the fuck. Mais je pense pas que de base, c'est très facile. Je pense que si j'affronte un vrai genre Zabi, vous allez comprendre très vite que c'est compliqué. Moi, je me tâte de tester les deck cycle en vrai. Parce que le deck cycle, je pense que c'est compliqué, tu vois, quand il faut aller vite et tout en élixir x3, si façon d'arriver en élixir x3, c'est... Je vais me perdre dans les touches, c'est sûr. C'est sûr, je vais me perdre dans les touches. Ok, bon, je pense qu'on va partir sur un géant fond de map déjà pour commencer. Ok, pas trop mal. On est très très bonne bande de départ là, hein. C'est vraiment cool. Ok, à partir en Dark Prince, on a le sens électrique, électronique. N'importe quoi. Ça c'est l'électro-sensuel. Ok, on a les flèches. Je les ai exactement pris pour ça. J'ai enlevé mineur pour mettre des flèches parce que il y a trop de d'archers dans la méta et de gobelins et tout. Ok, peut-être un petit coup du Dark Prince. Non, ok, on met deux coups de sorcier, c'est pas mal. Ok. Bon, c'est du chien. Ok, bon, du coup, bah, on n'a pas aussi à gratter. Parce que moi j'ai un petit souci. Normalement, j'ai eu un petit cut, du coup, bah, je suis désolé, vous n'avez pas pu voir l'écran. Ouais, petit cut du coup. Bon, sinon, là, il s'est rien passé de très fou. Ok, je mets juste un zap histoire de cycler. C'est plus pour cycler qu'autre chose. Ok, à mettre un géant. J'ai pas trop peur normalement du mortier. Ok, je vais mettre les trucs censés ici. Ok, parfait. C'est pas trop mal là. Je vais mettre un petit prince ici. Ça peut être pas trop mal. Là on bourrine. Là on bourrine, c'est le moment. J'attends toujours un maximum. Oh ouais, c'est pas mal. Ok, le pré-shot. Allez, on spam. C'est le moment. Les gars, c'est le genre double prince, ça spam. Allez, hop. On a les archers. Ils sont sur ces chats. Oh oui. On va les prendre la tour. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est beau. On va les prendre la main. Je sais même pas comment. C'est une grosse faute. Bon, bah, parfait. Il a mal joué. Ça m'arrange. Il a mis un poisson miteux. Et puis, ça passe. Bon, les gars, on se retrouve pour la prochaine ou dernière game. A tout de suite. Ok, et re, c'est parti contre Ula Fitness. Donc peut-être pour la dernière game. Ouais. Ok, c'est bon. Alors. Phoenix en a peut-être. Ok. Écoutez, on va. Je sais pas si je peux prendre les deux. Ça, c'est la question que je me pose. Ok, bon, je pense que je vais juste faire comme ça. Bon. Ouais. Ça, tout va bien se passer normalement. Ok, parfait. Encore un maître mineur, ça m'arrange pas des masses en vrai. En vrai, je pense que je vais partir en géant au pompe s'il a 6 lapis de maître mineur en vrai. Ok, bien. Ok, je vais partir en phoenix en plus. Et une tombstone, donc je vais partir en flèche dès que la tombstone meurt, je pars en flèche. Enfin, dès qu'il met un coup de géant, je veux dire. Voilà, parfait. Oh, ce strike. Archer, tombstone, plus phoenix. Ah, j'aurais dû zap. Ok, bah là, il force en vrai. Je peux mettre un dark prince. Et s'il force, je peux prince normalement. Ok, je vais faire comme ça, je pense. Sinon, je zap pour cancel au tiers des cas. Et s'il capa, normalement, il peut pas. Ok, capa. Ok. Ok, ouais, c'est ce que je pensais. Ok, on va mettre ça là. Bon, c'est du splashia, c'est juste cimetière gel. Ça va être très compliqué la game, même si on a 25 sorts. Pas facile de la game. Ok, on va partir à gauche. Enfin, on va partir en vœu, on s'en fout parce que les dégâts sont quasiment les mêmes. Le problème, c'est que là, la prochaine fois que je pars géant, je suis quasiment sûr qu'il part en cimetière. Et là, s'il part cimetière, c'est la sauce. Ok, ça va. On va partir en phoenix. Alors, hop. Je pense que c'est partir géant pour tanker en vrai, peut-être. Hein.
GBDF. Ok, parfait. Là, je suis prêt si s'il veut partir. Ouais. Cimetière, je suis prêt. Ah, ok, parfait. Ouais, alors là, je sais pas comment je passe. Je peux vous le cacher, les gars, j'en ai aucune idée de je passe comment. Qu'est-ce qu'il fait? Il a craqué son slip. Ah, vas-y, cimetière gel. Ah, ils sont enfin fait ce cimetière gel. Enfin, ils s'en foutent. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Non, bah non, je sais pas, ils s'en foutent absolument pas en fait, je suis con. Ok, là, si je vais électro-sorcier, ça peut être pas mal. Évidemment, je le protège, mon électro-sorcier, parce que je m'en doutais qu'il allait voler le snipe. Donc, on a des bonnes flèches normalement ici. Ok, là, on peut remettre une pression normalement. Ok, on a les BDF cette fois. Normalement, nice, ça cancel. Les gens qui mettent des coups, c'est pas mal. À partir en arc, on se posait. Voilà, on sait qu'il allait faire ça. Je pars en phoenix au pont. Ok, évidemment, on a l'électro-sorcier ici. Ok, grosse erreur de sa part, les flèches. Ok, à partir en jeu en fond de map, elle est pas facile cette game, elle est pas facile. Ok, bon, là c'est le moment, on va voir si je fais beaucoup d'erreurs ou pas. Ok, c'est bien, si je peux partir des deux côtés, là c'est pas trop mal. Ok, on va partir en phoenix. En vrai, il a pas de gros sort, donc c'est là où je me dis que je peux juste bourriner comme un gros porc. Ok, là on a des très très bonnes flèches normalement. Ah, grosse erreur de sa part là. Le géant qui va mettre beaucoup de dommages normalement. Ok, il part comme ça. Évidemment, je pars opposé. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Vous doutez bien que c'est pas ça que je voulais faire. Je suis une slick. Ok, ça. Hop. Let's go les refs, let's go. On va aller gagner cette game. Ouah, c'était pas facile, c'était pas facile. Le mec, il a une tombstone, il y a pas mal de choses. Hop. Voilà, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, on aura fait de belles games. Ça fait plaisir. On aura malheureusement fait une défaite au tout début de la vidéo. Je sais pas. Oh bah. Tout bénef, non? Tout bénef. Un petit phoenix, bah c'est parfait. On va le remplacer évidemment par la Mega Garou qui est donc niveau 10, qui ne me sert pas à grand chose. Allez hop, ça part Phoenix. Hop. On améliore. Et puis parfait. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. C'était Breco. Ciao, ciao.